Il s'agit d'un câble trois corps qui permet de relier les farms éoliennes en mer au continent. Celui-ci, par exemple, a un conducteur en aluminium, une isolation polyéthylène réticulée, un écran métallique en plomb, une gaine de protection en polyéthylène, trois phases assemblées protégées par des fils d'acier d'armure et une couche de polypropylène en extérieur. Les couleurs de plastique, ça sert à quoi? Alors, les couleurs de plastique, donc, c'est pour combler le vide entre les trois phases et de pouvoir repérer chaque phase par rapport à sa propre couleur. C'est un câble qui peut mesurer jusqu'à combien de mètres? Alors, kilomètres? Ce sont des câbles généralement qui font entre 40 et 60 km pour relier les fermes éoliennes au continent. D'accord, fermes éoliennes posées. Alors, ça peut être également flottante. D'accord. Les deux technologies sont possibles. Elles sont fabriquées où? Alors, tout est fabriqué ici à l'usine de Halden en Norvège, intégralement. Des fils qui vont être utilisés pour le conducteur jusqu'au process final, plus tous les tests en cours de production et le chargement final sur le bateau.